a city built with plenty of electricity in mind. Now, the ravages of war have left it in short supply. Most of Beirut only gets 6 hours of electricity a day, 6 hours on, six off, and some get none at all. عند الصبح من صلي صلاة الصبح الألف الحمد لله بنعمل درس بالقرآن نحن والأولاد ما بيكون في كهرباء مشاعل اللوكس مشاعل الشمعة والحياة مثل منك شايف الحمد لله عايشين الله جل الله نجي نمشي أعظم. If you were against nuclear power, the threat of living without a continuous supply of electricity might change your mind. Surprisingly, this is a problem that faced the people of France. Now France has plenty of electricity because its government decided to use nuclear power. Je crois que la politique nucléaire française est facile à résumer, à expliquer. Dès que l'on sait que la France n'a pratiquement pas de source d'énergie sur son propre sol. En 1973, au moment du premier choc pétrolier, la France était dépendante pour plus de 75% des approvisionnements venant de l'étranger. À partir du moment où le coût du pétrole augmentait très considérablement, il a fallu que la France trouve une source d'énergie qui soit plus indépendante et qu'elle puisse contrôler. Et la seule source d'énergie qu'elle puisse avoir, c'est de l'uranium, car il y en a sur son territoire. C'est pour cela que l'accent a été mis en France sur la politique nucléaire. If you want a guaranteed, uninterrupted supply of electricity, you have to be self-sufficient. And for the French government, that means nuclear power. The solution seems simple enough. But is this the only answer to an independent power supply? This local anti-nuclear group takes a different view. Une réponse de la France, c'est toujours le tout quelque chose. Ça a été le tout charbon, après le tout pétrole. C'est une énergie, enfin c'est toujours une seule solution. Maintenant, c'est le tout nucléaire. Nous, ce qu'on pense, c'est que d'abord, il peut y avoir plusieurs sources d'énergie. Il peut y avoir le gaz, il peut y avoir l'hydroélectricité, il peut y avoir les sources d'énergie qui nous viennent de l'agriculture, puisque la France est un grand pays agricole. Et surtout, ce qui est le plus important, sont les économies d'énergie. En France, on jette énormément. On n'a pas du tout une politique du recyclage. Et on pense que si on recyclait tout ce qu'on recycle ailleurs déjà, hein, le verre, le papier, les métaux, etc., on économiserait énormément. Et ça a été chiffré. 50% de l'énergie pourrait être économisée. Donc on n'aurait pas besoin du nucléaire. Et si on utilisait, si on avait la politique comme en Allemagne, de la cogénération comme dans les pays, disons, de l'Europe du Nord, peut-être que ce serait aussi une solution au niveau de l'économie d'énergie. Mais en France, il n'y a absolument rien à ce niveau-là. There are 55 nuclear power stations in France, and they're building more. Has the nuclear policy gone over the top? Are the people of France worried? Ni pour ni contre. Ça apporte des emplois en construction. Et ma foi, s'il y a du contre, chacun prend ses risques. Je suis pour. Je me rends pas tellement compte du danger, alors ça me gêne pas. Mais rien, je sais pas moi. Il y a plein de centrales en France, il n'y a jamais eu aucun problème, je vois pas pourquoi aujourd'hui il y en aurait, c'est tout. Moi je suis pas d'opinion, je pense que la centrale, les gens qui y travaillent, ils savent très bien ce qu'ils font, c'est leur travail quoi. Ni pour ni contre. Je suis contre parce que ça évolue trop vite. Et il arrivera un temps où on n'arrivera pas à suivre. Et je suis pour parce que c'est une énergie nouvelle qui va être bientôt remplacée de toute façon. Mais il y a trop de centrales nucléaires, ça va trop vite. Ben, personnellement, moi j'ai pas confiance parce que l'homme il fait toujours des bêtises. Mais
Il paraît qu'on en a besoin, je sais pas. D'une façon générale, la population semble accepter l'énergie nucléaire massive en France. Mais d'un autre côté, ce qui est pour être certain, c'est qu'elle est très anxieuse. C'est une situation assez contradictoire, où la population pense qu'un accident est possible. Elle ne se rend pas bien compte de ce que ça sera, mais ce que ça serait. Mais d'un autre côté, elle accepte un peu comme une fatalité cette énergie nucléaire massive. On l'a convaincue qu'on ne pouvait pas s'en passer. Historiquement, c'est tout le programme électronucléaire français qui a été une vaste erreur, puisque c'est Messmer, c'était dans les années 70, qui avait prévu, les experts avaient prévu une consommation d'électricité à la population française, qui était énorme. Et quand on regarde les prévisions qui ont été faites et qui ont fait qu'on a choisi de construire des réacteurs nucléaires, il se trouve qu'à l'heure actuelle, par rapport aux prévisions, on est à moins de la moitié. C'est-à-dire qu'on a construit des réacteurs nucléaires sur des prévisions qui étaient le double de la consommation actuelle. Ça veut dire concrètement qu'on a la moitié du parc électronucléaire français, c'est-à-dire 57 réacteurs, qui est en trop. In rural France, near Golfish, a small village in the southwest, close to the Spanish border, they're building a new nuclear power station. And it's right alongside one that's already working. The general feeling may be, if it wasn't for nuclear power, France would return to candle power. But if you're directly affected, then things begin to look different. Monsieur Potier grows hazelnuts using traditional farming methods. He's worked here for 25 years. Now, his farm overlooks two nuclear power stations. Eh bien oui, voilà, je suis dans un pays là tout près de Golfech, je suis fermier. Et du point de vue économique, cette centrale me gênera aussi. Parce que je fais de la culture biologique, donc sans produits chimiques. J'ai une clientèle toute particulière. Et ces clients me disent, eh bien maintenant, quand la centrale marche, nous, on ne vous achètera plus de produits. Alors moi, ça me gêne beaucoup. Ça me gêne beaucoup. For other people in the village, it's different. The station pays a special tax, a kind of danger money to the community. On ne peut pas être pour systématiquement une installation quelle qu'elle soit qui peut apporter des nuisances écologiques ou sur l'environnement. Mais d'autre part, si on peut discuter en tant qu'homme d'affaires ou en tant qu'élu, il faut dire une chose, c'est que la centrale à, si vous voulez, apporter un plus financièrement à la commune. Bon, comme vous le voyez d'ailleurs, toutes les installations qui ont été faites, entre autres l'installation de cette place, hein, nous avons une construction de piscine, de salle polyvalente qui a été réalisée. Je vous signale quand même que la piscine, au point de vue départemental, c'est la deuxième piscine, puisqu'il n'y a qu'une piscine d'hiver dans le département, et donc apporter un plus financier, qui est quand même appréciable pour la commune, et ainsi que la région, puisqu'il y a des retombées fiscales qui vont sur le département et la région. Donc il y a tout un ensemble qui en profite. C'est pour ça que de ce côté-là, on peut être pour le nucléaire, à condition bien sûr que toutes les normes de sécurité soient suivies, etc. So what would happen if there were a nuclear accident? Si on regarde l'accident le plus dramatique qui pourrait se produire, c'est la perte de confinement rapide et décharge dans l'atmosphère d'une quantité importante de radionucléides. The official plan is to evacuate people who live within 5 kilometers of the power station. For Goldfish, that means about 10,000 inhabitants. Then isolate an area of 10 kilometers, affecting 20,000 people. If there were another accident, like Chernobyl in Russia,
then a 30-kilometer area, about 200,000 people, would have to be evacuated. And pessimists can easily predict a worse accident than this. And that's only one power station. There are 55 of these reactors in France at the moment, with more planned. And they're by no means all in the center of France. So if the other members of Europe object to these stations on their borders, what would happen then? Je crois que la France a un programme nucléaire qui lui est indispensable, comme je l'ai déjà dit. Si les autres pays européens contestaient ce programme, il me paraît difficile pour eux d'interdire à la France de continuer ce qui lui est nécessaire. Les pays européens, les autres pays européens ont leur politique sur leur territoire. La France est souveraine sur son territoire et je pense qu'il me paraît difficile pour les autres pays de lui interdire de continuer dans l'énergie nucléaire, d'autant plus qu'elle n'a pas d'autre solution, elle n'a pas de charbon et de pétrole. Donc je crois que la France continuera le nucléaire et je pense aussi que les autres pays européens viendront au nucléaire aussi quand ils se seront rendus compte des inconvénients des autres sources d'énergie. Beaucoup de centrales sont très proches d'autres pays d'Europe. Donc, en cas d'accident grave dans ces centrales, les autres pays, les pays concernés, les pays qui sont voisins, seraient évidemment concernés. Par exemple, pour l'Angleterre, la centrale de Gravelines, avec ses 6 réacteurs, serait directement concernée au même titre que la France. S'il y avait un accident majeur, il ne pourrait en aucun cas se traduire par des choses graves, des morts et une catastrophe qui puisse réellement inquiéter les autres pays européens. Je crois donc qu'il ne faut pas penser que le fait que la France fasse du nucléaire fait courir un risque au reste de l'Europe. Si la France faisait à la place du nucléaire du charbon ou du pétrole, ce sont des quantités considérables de gaz qu'elle mettrait dans l'atmosphère. Et je crois qu'actuellement, la commission de Bruxelles, en particulier, commence à poser le problème de la réduction des émissions de gaz dans l'atmosphère, et que de ce point de vue-là, la France donne au contraire l'exemple, en ayant déjà réduit considérablement sa production de gaz dans l'atmosphère. En France, grâce à l'avantage de l'énergie nucléaire, l'électricité coûte en moyenne 20% moins cher que dans les autres pays d'Europe. Dans le prix du coût du kilowattheure, on ne prend pas en compte le démantèlement des centrales, la gestion des déchets, le coût des assurances et du risque nucléaire, puisque en France, c'est l'État qui prend en charge les risques, disons, d'accidents au niveau des centrales. Donc, on peut dire que l'électricité, si le consommateur en lui-même ne la paye peut-être pas trop cher, c'est l'État et donc tous les contribuables qui la payent. Et plus la dette d'EDF qui s'élève. Donc ça, c'est un surcoût aussi au niveau du coût de l'électricité. Et ça n'est pas pris en compte dans le coût du kilowatt. Many parts of rural France have few people living there. Because of this, it would be very, very expensive to supply them with mains electricity. So what can they do? Although France has little coal, oil or gas, it does have lots of wind, water and sun. And each of these can be harnessed to produce electricity. Since Michel Nicole designed and built his own solar and wind power system, he's been completely independent of the need for mains electricity. His system works all year around and powers both his domestic and work appliances. L'électricité produite par la lumière solaire descend par ce câble, traverse la régulation, descend dans les batteries, se stocke et depuis là est reprise par l'appareil convertisseur. Nous avons un stock qui permet de passer 15 jours sans soleil et sans vent. Il y a suffisamment, il y a 950 ampères-heure utilisé pendant 10 heures, ça c'est un stock énorme. Et la durée de vie des batteries est de 8 ans.
Perhaps this kind of system could help lower the consumption of ordinary mains electricity. But can it work elsewhere? C'est une possibilité pour toute la France, avec une plus grande facilité dans le sud à cause de l'ensoleillement, mais le nord et les pays nordiques peuvent en profiter aussi, et particulièrement l'Angleterre. That's right. Can low energy light bulbs save money? Light, heat, and essential services. In modern towns and cities, we take them for granted. In Beirut, such things no longer exist. Without them, life is pretty hard. After years of warfare, Lebanese society has fallen apart. This was a modern city, and electricity played a vital role. When it's taken away, the effect is dramatic. Hospitals suffer badly, and to keep services going, the Lebanese have to be able to make their own electricity. We run on generators 18 hours per day, and when the electricity cuts off, usually this machine stops for 10 seconds until the generators will turn again. Medical machines obviously need electricity, but almost every part of life is affected without it. The lack of electricity causes spoiling of food because of lack of fridges. Also, the lack of potable water causes also problems in diarrhea, gastroenteritis, and vomiting. Even getting clean sheets can be difficult. We have a machinery problem also. This is related to the electricity. When it comes on and off, the machines, they usually start losing their functions. Sometimes we face problem and we move all the linen to another hospital so that we will not stop the function of the hospital. Blocks of offices and flats used to have lifts. Now, people are often trapped at the top. With no official supply of electricity, a host of new private power companies has sprung up, using small and large portable generators. Of course, the service costs money. The money will be for the fuel and for the handwork, because we have two or three workers here. They work all the time. We give each house 10 amps for about $40 or $50 monthly. And what would happen if the authorities stopped these generators? What will happen? There will be no electricity.